Alors, si jamais vous trouvez que la police de votre live en général est trop petite et que vous souhaitez éventuellement agrandir tout ça, vous pouvez aller dans les paramètres, les options de votre live. Vous avez en haut de l'écran noir, en haut à droite, vous avez trois petits points avec options. Vous cliquez donc dessus et vous faites ouvrir les paramètres. Et là, vous avez la possibilité de régler la taille des caractères, par exemple. Ici, c'est mis à 90%. Si vous souhaitez mettre à 110%, il y a tout qui va apparaître beaucoup plus grand, évidemment. Vous pouvez changer la langue si vous souhaitez. Et vous pouvez éventuellement notifier les nouveaux participants, que vous soyez notifié avec un son ou un pop-up qui apparaît sur le côté de votre écran. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez être sûr que tout le monde vient. Si vous savez qu'il vous manque un étudiant, par exemple, et que vous voulez savoir vers quelle heure il arrive, eh ben voilà, vous pouvez sélectionner ce petit gadget ici qui vous permettra de savoir exactement à quelle heure l'étudiant sera présent. Et vous faites donc enregistrer et vous avez donc la police ici qui s'est bien agrandie, comme vous pourrez le voir. Vous pouvez également mettre tout votre live en plein écran si vous désirez. Toujours dans les options, trois petits points. Plein écran, et là vous avez tout votre live sur un seul écran qui prend vraiment tout le bord. Pour retourner, évidemment, vous devez recliquer dessus, vous faites quitter le mode plein écran. Et voilà.